Hey, salut à tous, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau C'est stream, j'espère que vous le allez bien. branleur du dimanche. Pourquoi t'as ouvert que à moitié la porte? On est avec Manon, Parce que t'es monté Nitsu, dedans, t'as senti le faux Benji, puis sensation. Mais Mathias, ferme ta bonjour. grande gueule! Oh là, c'est déjà Raymond Huguette, hein, les gars. Faites pas gaffe. Salut Matt88, salut le père, salut Nanar, comment tu vas? Recule ou je t'encule? Je pense que Manon et moi, Salut on est les Jérémy, deux ça va et personnes qu'on toi? insulte le plus. Bon, on est parti pour une nouvelle série pour jusqu'à FS22 tranquillement. On est parti là, faire 100% de classe donc. Voilà, va falloir qu'on achète du matos un peu. Ah ouais, un peu, ouais. Ouais. Ah, du mais faut que je baisse son son lui. Un peu fort. Allez hop. Moi ouais, surtout quand je fais non, pas toi. En vrai, il nous reste 1 million d'euros. On va déjà acheter le matos, puis après, on ira moissonner. J'ai dépensé les sous avant de gagner. Parce que... qu'est-ce qu'on peut donc acheter? Salut Dimitri! Qu'est-ce qu'on. On va acheter des animaux, on n'en a pas besoin. Du panda en gras, c'est déjà fait. Un Et smoire. moi, je m'en fous. Il fait combien mon site 110? Je passe Discord après. Sauf que je suis pas sur mon serveur Discord, mais oui. 145 chevaux. Oh la nar! What? Non, mais non! Putain! Un Non, non, smoire trop qui fort. fait 145 chevaux. Braille Thomas, merde. Il allait bien ton Vanta? Oh, nana. Hein? Il allait bien le Vanta que t'avais sur la vallée de Laconie? Ouais, nickel. On va prendre lui en vrai. Attends, un mais beau ensemble. Merde. Non, 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 arrête, non, arrête. Salut à tous. Comment ça va? Ah là là. C'est con, il y avait Jordan tout à l'heure. La France est un merveilleux pays. Et c'est beau. Les oiseaux chantent. Et ben non! Il y a plein de noix là. D'accord. Manquait de dit. Qu'est-ce que je cherchais? Une herse rotative, c'est peut-être mieux pour faut mettre que sur le tu chemin. Manon, faut que tu laves les pieds à Benji avec le Carfer si t'en as un. Ah non. Mais si, elle en a un, c'est. Manon, parce que ça la chaux, je crois. Hop. On va acheter une masse pour le classe. Semer aussi. Oh voilà, je suis de retour sur farming du coup. J'ai eu un petit coup de mou là, mais on est parti. Un petit coup de mou, haha! Faut déjà en avoir une pour l'avoir molle. D'accord. Si tu veux, nana. On va ranger la presse. D'accord, Mathias. Où va-t-on la mettre la presse? Mais j'ai rien demandé, moi! Bienvenue à cette visio, comment allez-vous? Justement, c'est ce que je dis! Qu'est-ce qu'il y a pas encore? Ah putain! Ah, mais la presse. Ouais, je sais pas moi si je elle. Suis gentil! Je sais pas si elle recule de l'eau. Non, Nanar, tu fous quoi? Rien. Allez. Ah, c'était faux par contre! Mais pourquoi faire? Arrête, c'est ce que j'ai sorti à Jordan hier quand il m'a dit on va sur The Crew 2. C'est bien, elle te descend. Et pourquoi faire? Eh Manu, je sais pas, descends. Et pourquoi faire? Ah non. Ah mais vous êtes fous par contre. Ah mère, elle m'a dit si tu descends, je te descends alors, non. Ta mère, elle ressemble à ça. Allez hop. On va dételer ça. Ah vas-y, Nanar, viens sur serve. Je vais faire le Paris-Dakar. Et pourquoi faire? Pour aller au zoo de Vincennes, je me suis mangé un chameau. Et ta connerie, c'est pas un chameau aussi. Donc voilà, campagne normande. Si on voulait trouver une map, mais on trouvait pas alors. Comment ça on pouvait pas? T'avais la flemme, c'est tout? Non, on trouvait pas, c'est pas. Non, comment ça on pouvait pas? T'avais la flemme, c'est tout? C'est juste que non. T'avais l'habitude de gratter, du coup tu t'es gratté et puis t'as. Puis voilà, j'avais pas de la flemme. T'as rien dans ton silo, Thomas? Non. Ah,
c'est tout vidé. Ah, tout, oh, tout vidé. Ta ferme, j'ai plus besoin de ta ferme là. Je mets même les clignotants et tout. Y'a qui sur le serveur? Y'a Manon, y'a Benji, y'a moi. C'est qui Benji? C'est moi. Je sais pas, l'autarable. C'est moi. Ah, mais c'est l'ouvrier à Manon. Oui, voilà, t'as tout compris. Bien sûr, la femme t'a que. Ouais, ah, nanar. Quoi? Nanar. C'est la même personne qui s'est couchée avec le casque de la croisée. Tu me sors, c'est mon pas mal. Ouais, c'est. Ah, ils arrêtent plus de se battre. Mince. Non, mais ah, c'est peut-être pas. Manon, elle est partie au Bangladesh faire un voyage et puis elle a trouvé ce petit Bangladesh. Eh, Mathias, elle a ramené un truc. Ouais. Va dans la ferme à Thomas, enlève-moi les droits. Oh, tu me casses les couilles, je suis là-bas, la ferme, tu vois. Demande à ton ouvrière là. À ton ouvrière, ouais, voilà, s'il te plaît. Non, c'est sa patronne. Vous pouvez pas lui demander à venir, non. C'est sa patronne, il n'est pas la peau du cul, je te le dis. Donc voilà. Tranquillement, on a un peu de renault dans la ferme. Benji, lave l'arbre, mets-le. Mets-le moi, ce con. Ah mince, moi j'ai. Ouais, moi j'ai mangé la barrière, mon chef. C'est con. Bah, mange, t'es mort. Les pompiers, ça fait Sila, Sila, les flics, ça fait Rila, Rila. Alors, j'ai quoi à faire? Où va-t-on mettre le smar, par contre? C'est quoi ces bruits, les gars? C'est un arc qui se tripote, mais il le fait tellement rarement qu'il y a le queen. C'est pas moi. On peut la rien demander. Bah non. Enlève-moi les droits de chez Thomas, s'il te plaît. Ouais, une fatigue, franchement, la vie ma mère. Bon, ça c'est fait, après. Oh, les bouts, ma parole, c'est Raymond Huguet. Traduction du lapin de Manon. Tu vas parler tout à l'heure, bah tu te démerdes. Quelle grosse merguez que c'est un truc. On va acheter le cover crop. C'est vraiment une rigolo de kermesse, en fait. Une vraie rigolo de kermesse, hein. Une chienne de la casse. Mis si on peut le prendre. Ça, c'est lequel? Allez, les gars de la paix, vous. En même temps, si j'ai une chienne de la classe, comment vous êtes bien retrouvé? Quoi? Benji, le chien de la classe, et puis Manon. Non, Benji, c'est le chien de la caravane, du gitan. Quand tu vas sur Insta et que tu vois toutes les meufs où il est abonné, mon gars. Bien sûr. Oui, ça me brasse du boulot, moi je te le dis. Moi je suis content, carrément. Benji en portefeuille. Ah là là. Une nuit aussi visio, comment allez-vous? Nana, tu sais pas la meilleure. Tout à l'heure, là, y a... Non, ta gueule, hein. Y a Benji, il a couché sa troisième suite avec le casse devant. C'est moi qui ai dû aller venir lui redresser. Ouais, non, c'est bon. Ce con, non, mais ce qu'il veut pas nous avouer, c'est que tout à l'heure, il a dit. Il a dit quand Manon est parti, ah, y a mon bébé, il est parti, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a ma petite trousse, y a un petit triseau au milieu du matin qui est parti, c'est pour ça que. Allez, vas-y, ça va, il a soufflé le. Oh, il a soufflé quand il est là. Ce petit Benji. Oh merde, oh, non. C'est lui que la magrie du 62, comment tu veux? Non, il a coupé son stream, mais là. Il est parti, non? Non, je l'ai viré. Ah, d'accord. Mais tu tournes du seigneur. Et ton bébé, il t'a viré. Il porte pas ses couilles. Mais non, elle réfléchit pas, tu me casses les couilles, elle te fait une déconnexion, tu comprends rien ta vie. Ouais, c'est ça. Elle a le clic sensible. Ah, c'est qui hier par contre qui s'amusait à me mute à l'infini là? Ça doit être Benji, ça c'est bien les techniques à Benji. Moi je pensais Nilsou, mais. Il peut pas. Il a pas les droits. Ah oui, c'est vrai, comment alors? Du coup, quand? Non, c'est Manon. Ah non. En vrai, moi, je pense à Nilsou parce que j'ai tapé un coup de déconnexion et après ça, j'ai fait que d'être mis. Bizarrement. Au pire, t'as juste à aller voir dans les logs. Hein. Oh, j'avoue. Comment on fait déjà? Attends, je vais voir. Mais ça va pas être Nilsou, il a pas les pernes.
Je sais pas. Attends, il y en a un qui t'a changé de... Attends, mise à jour, machin. Mais c'est qui t'a muté, et machin, il y a personne. Si, il y a il est pas amusé avec Jordan aussi. Enfin, simulateur du dimanche. Ah, je sais pas. Mise à jour Jordan. Non, genre, simulateur du dimanche. Non, elle a fait nul sous. Manon. Elle a fait... Elle a fait Thomas. Ça va, en fait, après... vous... Ça va, en fait, vous vous regardez sur ma gueule, en fait. Après, bah non, y'a rien pour toi. Hein. Oh, je suis plus seul en fait. Ah si, y'a eu un combat entre Jordan et Mathias il y a un moment. Un combat. Mais à chaque fois, tu vois Manon et Nilsou. En même temps, Manon, Manon a raison. Non, mais hier, il me gonflait de ouf, alors c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste donc à acheter hein. Ah ouais, Nilsou, genre. C'est vrai que. Pas lui, c'est pas. Chiant, c'est bon. Salut Alex, comment tu vas? Non, mais après j'ai déjà acheté. Moi j'ai jamais rien Vu. Quoi? C'est qui Tonio Farming? Pourquoi? Pour qui? Tu m'as envoyé un Discord. J'ai envoyé un Discord? Aujourd'hui à 14h34. Bah, je sais pas. Pourquoi j'ai fait ça? Le simulateur du dimanche, je t'invite. Je sais, tu sais que je suis même pas allé sur le Discord, alors. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bah, je sais rien. Par contre, Mathieu, t'as dû perdre des sous. Hein. Pour rapport à l'ouvrier, non? Si, bah. On n'arrivait pas à l'enlever, alors on l'a laissé. C'est Victor. Ouais, mais... Ah, c'est Victor non, du 6-9. Non, ça ne m'a pas coûté grand chose. Et même, genre, il me semble que quand les ouvriers ils avancent pas, oh, ça va. Quand c'est un ouvrier qui sème ou quoi, quand il s'arrête. Enfin, quand il s'arrête. Quand il est à l'arrêt. Mais maintenant, tu travailles pas, tu fous de ma gueule là. Non, non, il. Si, il prend des sous, il prend euros. Il prend moins, mais il prend des sous quand même. Ouais, bah, tu peux buver, soumettre pareil. Ouais, mais c'est fait, c'est fait. Attends, mais attends, je vais. Oh, c'est pas grave. Il me suit ou pas? Non, il me suit pas. Faut faire quoi? Bah, faut prendre un coup de pluvée dans le champ là. Hop, on achète du matos tranquillement là, parce qu'on vient d'arriver. Voilà, à côté dans le champ. On prend notre démission. Je vois que vous vous faites tout chier à prendre des petites largeurs pour faire vos caractérisations, tandis que moi j'ai un sport en graisse 50 mètres, même pas longtemps en faire du boulot. Mais où, moi je pense que je vais prendre un truc vous à faire. Chier avec des pluvés. Le pluvé, moi je vais prendre juste pour faire des herbages et puis. En plus de ce que je vois là, ma mère, genre, si ça me pompe de l'argent, c'est quoi? Il y a un petit problème de texture sur ma plaque, je crois. Ouais, mais ça va pas me la pomper quand même. Ah, mais c'est celui de Nico. Non, mais même, genre, ça c'est quand il avance. Sinon, quand il s'arrête, s'il pompe, c'est vraiment que dalle. Et lui, Yuizio, comment t'as dit? Dans la nuit, il a dû pomper quoi, 100 balles? Mais genre là je l'arrête. Ouais, il est arrêté sur le Renault. Là il est à l'arrêt. Je vais voir s'il pompe. Mais il me semble que non. Moi je te dis que si. Ça me semblerait bizarre qu'il pompe pas. Mais... Oh ouais. Ah ouais, mais beaucoup moins. Oui, il pompe moins, mais il pompe quand même. Ouais. Ouais, Thomas il a bien pompé aussi. Ouais, Thomas il se régale. En général, quand il passe au bureau, ouais. Laisse tomber, c'est quand même un peu de bon taf. Hein. Ah mince, Thomas. Il est pas à jouer un dentelle, celui-là. Ah bah, il fait pas les choses à moitié. Ah Thomas. Tu sais que t'es un petit cochon ou toi, hein? D'accord. J'arrête parce que je vais finir déco sinon. T'en as repartir en combat et tout machin. On a le droit de dire ton nom, nous sommes sur le Discord de la team. Nous sommes le roi du monde. Oh. Non, pas pour toi Benji par contre. Non Benji. Mon rôle de tout dire. Regarde lui, regarde de le faire, ses chevilles qui gonflent. Non, un vrai crapaud. Qui m'a nominé ce rôle. Mais t'es con, putain, si mec, ça, je te franchement, moi je pensais que c'était la connerie depuis le début. Hein. De quoi? De quoi? C'est au connard, c'est le chaud patron. Je suis le sous, patron. Oh putain, la gueule, tu es pas trop. Sous le bureau, oui, c'est sûr. Ouais, c'est tout ça, ouais. Oh là là. Oh, comment? Très bien souvent sous le bureau. Hein. T'en as même des clopes sur les genoux, alors. Ici, il parle de clopes, lui. Il est con, lui.
Wow. En gros, ça veut dire que t'es tellement à genoux sous le bureau que maintenant t'en avais plus. Non, jure. Bah alors pourquoi tu me demandes Personnellement, t'as posé la question alors. Bah oui. C'est toi le con dans l'histoire du coup. Oh lolo. Ah si, ça passe sous le bâtiment. Non, mais le pour lolo, il était pas nécessaire potentiellement. Arrête de faire ton accent du Marseille. Ouais, grave, il a fait ton accent, je crois, d'où là. Ta gueule. Pourquoi tant de violence? Parce que. C'est lui fermer les 80 quand tu vois. Ça me fait bang, du coup, Allez hop. Ah, mais la route elle est par là. Bah oui, la route elle est par là. Eh, oh, oh, hein. Oh. Moi ça va. Bah, vas-y, roule dans les pneus, Thomas, t'as tout compris. Faudra que je t'envoie la vidéo, Mathias, j'en ai eu un sur TikTok, un agriculteur, il allait chercher avec un peu de 1000 litres du rosé. 1000 litres de rosé dans le dernier jour. Bah oui, ça fait longtemps qu'elle est sortie. En vrai, ça va. Bah, 1000 litres, mon gars, à boire. Par contre, faut s'y mettre à plusieurs, c'est tout. Et vous avez réglé le problème à Lulu hier, Alex? Ça m'étonne pas, franchement. Tu m'aurais dit, ils sont allés chercher une semi-remorque de rosé là, ouais, j'aurais dit. Voilà. Un peu de level, mais 1000 litres. Ça va. 1000 litres, pas tellement. Ouais, dessiner, chaud. Ah, 1000 litres. Si tu t'y mets sur une semaine et qu'il y a 15 personnes par jour, ça va, c'est torché. Hein. Oui, mais avec 15 personnes. Il y a le boulot à côté. Hein. En général, tu ramènes quand ton Germain, il fait quoi? Il fait 5 litres à lui tout seul à la soirée? 5 litres, mon gars, t'as intérêt d'aller dans le tour. Tiens, on va donc attaquer à Fouché, tiens. C'est vrai qu'il y avait la luzerne sur ce temps. Donc on est là, ça va faire une petite activité là. Ah oui, ouais. Bah, tu peux aller. Je vais les refaire à un mot de la sortie. Je mets quoi ici? De l'orge. Je vais pas mettre. Mathias, je regarde sur la carte, je vais pas mettre longtemps. Bref, c'est du boulot dans la sang. Donc... Attends. Bah, allez hop. Bah, hey, t'as vu ou pas où j'en suis de la moisson là? Non, j'ai pas fini. Maintenant, le champ 41, tu vas le. Tu vas le semer en orge. En moissonne ça. Ouais, je vais pas me faire chier qu'un machin de 3m50 hein. Ouais, mais je sais pas parce que j'ai pas les. Putain, je suis en merde. Il faut que je fasse une analyse. Ouais, j'ai la flemme de faire les analyses. T'as pas bien de choses si tu veux avoir un peu de rendement. T'appelles le TA Papy à venir. Ouais, j'avoue. J'avoue, le parcelle 15, moi j'aimerais pas faire la fin en fait. J'avoue. Laquelle? La parcelle 15. La 15, celle que j'ai. Oh, celle qui est en touche même pas. Manon, elle veut te dire, bah j'arrive. Elle va nous faire une dépression, elle va nous faire une dépression avant de la regarder, Manon. Ah, mais depuis hier, j'y suis à la moisson, je suis en 10 mètres. 10 mètres, non, 10 mètres 6, comme ça. Depuis hier, j'y suis. Bah, tu sais, ça fait un peu comme quand on était tous les deux, Manon. Bah, alors, on va être trop. Mais ça suffit de prendre. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? Ouais, j'avoue. Vas-y, sur les dossiers. Non, mais. Ah, maintenant, t'as un peu en toi la bouche. Donc. Ah, ça se passe d'une heure, hein, putain. Et jaloux, Benji. Ouais, je préfère me faire sucer par un pigeon. Et jaloux que son bébé il est parti ailleurs. Ah non, t'es trompé, c'est pas le moi que t'as pris là. D'accord. Oh, les voix, ça l'a. Mieux aussi, bisous. D'accord. C'est un concert à la fin. Mais il faut que ça sorte, y'a un moment. J'avoue. On est humain. En plus, le pire, c'est quand tu le sors à peine, on te traite de gros dégueulasse. On le met aussi. Tu le sors après.
le gyrode boss c'est un extraterrestre. Prends un tuto. Ouais. Ah non. Mais non, ça push même en marche arrière. Parce que si je l'ai refait, j'ai mal au bide. Hein? C'est quoi? Bon là sur la parcelle j'en suis à la partie la plus chiante. Voilà. 15 allers-retours à la maison. Oh, je fouche bien. Et le pire nanar c'est que c'est quand Benji il a acheté la parcelle 68, il dit ouais machin elle est grande et tout. Ah, c'est laquelle que tu voulais prendre de base Benji? J'avais deux, je voulais prendre deux, je voulais prendre la 68 et la 70. Une de 11 hectares et une de 14. Oh merde, ouais, je pensais contre, droit. Le problème de ta parcelle 15, souvent, Mathias, c'est que t'as des putains des coins de merde. Oui, bah t'inquiète pas, j'ai juste dit ça. Je lui dis, franchement, elle est mieux à chier ta parcelle. Ah oui. J'ai vite remarqué. Je m'en rappelle, mais c'est vieux ça. Bah, tu sais, quand tu regardes mes parcelles, regarde la 131, moi y'a pas beaucoup des coins. Mais par contre, le pire, ça va être ma 78. La 78, t'as une putain de ligne droite. Puis qui c'est qui a des couilles ici pour l'acheter? Oh là, y'a que moi qui l'ai fait. Moi je voulais regarder pour l'acheter mais j'ai dit j'aurais le même temps. Voilà donc on peut dire que t'as pas eu les couilles de faire. Moi oui. Ok. Attends, mais toi t'es. Tu fermes ta gueule et tu me fais le patron d'abord. Enfin. Mais toi t'es là tous les jours. Hein? Il est que ça fait. Toi t'es là tous les jours. Ah grosso merdo quand je peux, ouais. Bah quand tu peux, personnellement depuis que je suis là parce qu'il y a pas beaucoup de boulot à la ferme, je te vois tous les jours. Voilà. Il est dégoûté là. Voilà. Ça fait avoir là. Oui. Non, mais alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ta gueule. Arrête de te voir des excuses. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'enterres. Tu veux que je t'enterre là? T'es en train de creuser encore. Vas-y, creuse. Pense à mettre le bois pour avoir une meilleure vie. Comme les NH, comme les Newland. Bah putain, bah oui, tu mets ça. Mais qu'est-ce qu'il parle de Newland? Il est con. Les Newland, ils font que de ça, les Newland. Accélère un peu, c'est fini, c'est au fond de la terre. Là. Ça va creuser un peu. Eh, dans l'enculé, lui. Comme tous les tracteurs, quoi. Mais non, y'a qu'un JD, ça s'enterre pas un JD. C'est pour ça que tu as sur YouTube JD, la plupart des vidéos, c'est des JD qui s'enterrent. Mais non, mais ça, c'est parce qu'il y a trop de JD sur Terre. Je sais pas pourquoi. Eh, c'est logique. S'il y a plus de JD que Newland. Que JD, ça prend feu, y'a quoi? Y'a une histoire ou quoi là? Mais non, c'est Newland qui prend feu. Newland, ça prend feu. Bah personnellement regarde 16 000 heures, mon tendu, jamais tout feu. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui ont des batteuses New Holland et du coup. Bah c'est pour ça que moi j'ai plein de. Il y a 3 batteuses cette année qui ont pris feu et écoutez des John Deere. Ah ouais ouais non mais ça c'est. Bon. C'est peut-être qu'il y a les doigts là dans 250, c'est pas pareil chez tout le monde. Quand une batteuse prend feu, c'est soit il y a un problème électrique, soit l'entretien est journalier n'est pas bien fait. Moi je vois pourquoi ça peut prendre feu comme ça. Bah c'est bon, la journée est pas fait. Si tu souffles pas ton. Que ça soit une batteuse John Deere, classe, si tu la souffles pas tous les jours que t'es en train de moissonner, bah ta moissonneuse elle surchauffe et ça prend feu. Ou un roulement qui casse. C'est un roule ferraille contre ferraille, ça chauffe et de quoi ça prend feu. Que ça soit John Deere, classe. C'est que t'as le régulateur. Landini, ah non, ils font. Tiens maintenant, s'il te plaît, va. Je peux pas d'avoir un champ. Dept. De soir, mais non, c'est de la bronca inutile. Les autres, maintenant, va dans la ferme à Thomas et range-moi les droits. Je te plaît, c'est vraiment chiant. C'est quoi son nom de branleur là? Au fait, toi, tu attends. Ah, c'est la volaille, la volaille avant tout. Oh le con, ah oui, la volaille avant tout. Moi, c'est la folie des grandeurs. Le 8R est bientôt dans la ferme. Allez hop. Moi oups. C'est Farmer 13 la pédale. Ouais j'ai vu ça t'inquiète. J'ai failli me prendre un arbre. J'ai changé parce que tu me faisais honte. Non. Putain, mais il a dit non Mathias, il est venu aussi visio. Ah mais t'es con ou quoi? Mais si je te dis rien c'est qu'il y a rien.
Comment te parle à ton frère? Ta gueule. Elle parle mieux. Déjà, toi tu crois que t'es mieux avec ta sœur ou quoi? Oui. C'est, il a pas tort. Salope. En plus, elle dit quoi? Elle est conne, mais. Tu vois, elle a. Eh, ça va. On a retouché. Dis-toi, j'ai tellement eu plein les coups quoi, de retourner faire le plein de gasoil là dans la parcelle 15 que j'ai mis un truc pour faire le plein mais directement à la parcelle, je sais pas si t'as vu. Ah mince, bam dans le déchemin. J'ai une station service dédiée à la parcelle. C'est fou. Bah non, c'est pas con, justement 1000 balles la station service. Y'en a ils font flic pour un car cher puis lui mais 50 de station service. Non, j'en ai qu'une. Et ça, j'ai pris la moins chère. J'ai 1000 balles de station service. Et je mettrai la même, 1000 balles. Allez, 2000 balles de station service. Y'a une 9 visio, comment t'as-vous? Moi, je suis moins con que les autres. Ça me fait une station service par coin de map, finalement. 1 euro, 1 emploi. 2000 euros, c'est carré. Et je fais pas de la route pour que là, pour faire du point. Y'a. Ah putain, j'ai un film là. Allez hop. C'est cool, bâtard. Allez, passez le. Tu m'as enlevé les droits maintenant. Dans le dinner. Ouais. Bon, s'il y en a qui se font chier, ils peuvent venir en passager dans la batteuse, hein, s'ils veulent. Ah non, tu peux aller, vas-y, t'as fini. Faut juste faire gaffe, ça sent le roussi. Non, on vient pas. Mais non, mais maintenant, ce que tu fais, c'est que tu vas l'aider, tu prends la benne, puis après, tu rentres à ta ferme, puis tu la vides. Et voilà, et tu vides dans notre silo, d'accord? Ça va. Ça te va, maintenant? Non, mais. Il propose gentiment de te servir, vas-y, fonce. Comme pas, je crois, les vides en plus. Je l'ai vu. Manon, t'as le choix, soit de se servir ton corps pour gagner de l'argent, soit aller voler une benne pour gagner de l'argent. Quelle option prends-tu? En plus, Mathias, tu lui donnes 2-3 espoirs, il est tellement en manque en ce moment, tu peux en faire ce que tu veux. Merci. Ça va, toi, je vais t'enterrer dans la traînée. Faudrait que t'invites ta meuf en vocal, Mathias. Tu es fou, jamais de la vie. Ah, demande au Pélican, voilà. Mince. Ouais, Angelina. Laquelle? Bah non, Angelina, celle qui avait agoré. Ouais, c'est vrai, celle à Gaëtan. Qui habite en Beauce, ou je sais pas où. Il en a plein, Gaëtan. Mais là, mon beau gosse. Il est con. Et puis toi, c'est quoi que t'habites la tienne? Mais quoi? Ah, ça coûte trop cher. Ma mère, elle m'a dit, il faudra que tu commences à je sais pas quoi, l'autre jour, elle me dit, je lui dis, oh, ça coûte trop cher. De quoi? Bah, une fille. Les popoles, parce qu'il commence à rouiller. J'ai pas des sous à mettre là-dedans pour l'instant. De quoi? Tiens, moi, je parie, Thomas, il va s'arrêter avec le camion, on va de la route. Bah, dans une copine. Il va descendre, d'ailleurs. Ça coûte trop cher à entretenir. C'est vrai, ça moi, j'en ai. Oh l'enfoiré. C'est vrai qu'il s'appelle ça plus cher. Je lui fais, allez, 5 cadeaux par an. Je parle que ça coûte cher. Ça c'est un discours d'un mec qui est gay. Tout de suite. Ouais, j'avoue. Il est en kiff sur papy, il veut pas lui dire. Il court ce gosse. C'est vrai que papy il est beau, il est... Il a tout pour plaire, papy. Ouais. Il est pulpeux. Ah, c'est bâtard. C'est pas méchant. Il aimerait tellement le taper, Thomas. Il va lui faire claquer la graisse. Oh là là. Thomas, il aimerait tellement se prendre par papy, c'est un truc de... Il me l'a dit l'autre jour, hein, sur ETS, là. Il m'a dit, oh là là, papy, je parle de 116 de jour et de nuit. Au moins. J'aimerais tellement qu'il me fasse son... Si t'es pas discuté dans le chat. J'aimerais tellement qu'il me fasse son God of John Deere dans mon cul. Bien non, sûr. Puis un God of John Deere, t'es fort, toi. Ouais, en vrai, je veux dire God. Bah oui. Pas... Mais c'est du stun ou je sais pas. Les chargeurs à pneus John Deere, t'es un God of court. Ouais, mais c'est pas les John Deere qu'ils font. Bah, comme toutes les marques. Si ça veut pas du spawn non plus. Parce que John Deere n'est pas partenaire spawn. Bonjour ça en plus. Eh ben quand on sait pas femme sa gueule. Pardon. Suite.
La mais bon, Massé, c'est français, hein. Bah, Massé et Ferguson, parce que c'est devenu français dès qu'ils ont racheté Ferguson. Ferguson c'est Ferguson. On peut pas faire elle. Les usines sont en France, Thomas, les usines Massé et Ferguson. Vous avez quoi? Il y avait bien des usines Renault, elles sont au Japon ou je sais pas où, c'est pas pour ça que Renault c'est japonais, hein. Non mais je suis juste en train de t'expliquer. Bah parce moi aussi je t'explique, du... je te donne un contre-exemple. Écoute-moi, Massé, sans le Ferguson, tu vas me casser les couilles. Ça a été créé, ils faisaient, je sais plus quoi, ils étaient pas dans l'agricole, il me semble. Ils faisaient pas dans l'agricole, et après ils ont racheté Ferguson en France. Donc ils ont, sont lancés dans le matériel agricole, ils ont arrêté ce qu'ils faisaient avant. Du coup, ils sont dédiés sur la production de matériel agricole. Du coup, Massé Ferguson qui est devenu français. Mais leur siège social, il est en Allemagne. Bah, plus maintenant. Bah si, tu tapes sur Google. Je crois qu'il a raison, je crois que j'ai... Allez hop. Pire, on va demander à Alex. Mais je sais même pas si. Oh, c'est vrai, bah tu te démerdes. Allez, salut. Ouais, c'est bon. C'est vrai. Oh là là, il veut se taper Mathias. T'as vraiment une cochon de fait. T'as vraiment tapé dans tout le monde, quoi, en fait. Ah, Mathias, il est en coupe, merde. Oh, mais non, on va pas gâcher des coups. Non, mais grave, franchement, toi, t'es comme le Uno, toi. On te pioche. Oh, t'es un bâtard, ouais. Oui, je sais. T'es où? T'inquiète. La pauvre. Voilà. Yep. Je suis tout cœur avec toi. Mon cul aussi. Elle va te sortir. Ta gueule, mon gars. On a beaucoup de ta gueule. Oh là là, par contre. Il veut cette Abdallah Bachir. Abdallah Bachir. Le pire, c'est que moi je l'appelle comme ça, mais tout le monde croit que c'est moi Abdallah Bachir. Bah oui, c'est toi, parce que c'est toi qui a le pseudo sur YouTube. Ouais, je sais, mais en fait, tu vois, je suis tellement fan de toi que je me surnomme comme toi. Ouais, mais bien, c'est mignon. Les actes illégaux de cette semaine. Hein? Vas-y, t'as 6 visios qui écoutent. On est raconté au grand public. Les actes illégaux. Illégaux. Hey, tes signatures là. Oui, je sais ce que c'est, mais qu'est-ce que j'ai fait d'illégal cette semaine? Oh, petite signature. Hein. Signature pour une voiture volée. Compromis de vente, non, hein. Non, voiture mais qui vole. Mais on a trouvé un nouveau projet avec les collègues au boulot. Un boulot, une voiture qui vole. Ça va, c'est le Giro sur le tennis. Oh les gars, je vous donne un nouveau prototype. La voiture qui vole, Inch'Allah, on l'aura. C'est Harry Potter version réalité. C'est toi, attends. Ta gueule, c'est mec qui ferme ta gueule. Parce que tu vois. La voiture qui vole, c'est la retour dans le futur, mais bon. C'est mec qui ferme ta gueule. Non, c'est les deux. Ouais, je crois que de toutes les personnes qui sont vocales ici, c'est le gars le moins respecté. Nique tout, Arnaud, le gars le moins respecté. Ah oui, Mathias, t'as loupé quelque chose. Hier, quoi? Arnaud, quand il est parti, papy, il lui dit je sais plus quoi. Il ah est oui, parti, il a dit quoi déjà? Il a dit quoi déjà? Salut, tête de couille. Non? Non, il a dit. Salut, t'es ta couille, il a dit. C'est t'es ta couille. Il a dit à papy, salut, t'es ta couille. Le papy, tu vois, il a dit salut comme ça, normal, hein, tout gentil. Ouais, salut. Arnaud, il fait salut, t'es ta couille. Merci au delay, gueulez hein. Il a dit, je crois que c'est bon, salut. Eh, hey, papy, il était choqué, il parlait. Eh, le pauvre. Il voulait juste le tuer sur ce coup-là. Là. Il a dit. Ah, bah, il faut là. Ah non, pas de la chose. Oh putain. Il a dit qu'il avait changé son lien. Son lien de son date. Putain Arnaud. Il veut plus. Et moi j'ai vu personne à répondre. Vous avez pas répondu à mon sondage et vous voulez recruter Bruno. J'ai vraiment fait un sondage en plus. Et même j'ai. Bah en fait on peut pas.
Bruno, je m'en pas. Bon, j'en ai déjà assez du fils. Ouais, je te jure, je joue à farming, mon daron. Et il était, il a un ordinateur et tout, je joue à farming. J'en ai déjà assez du fils, Benji, pour ça. Ah, il joue, mais bon, des fois, il me dit, hé, regarde, on travaille pas, j'ai mis le canard et tout. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il joue avec le Global Company et tout. J'ai dit, frère, comment il connaît ça, lui? Attends, Benji, le jour, il lui demandait comment faire des poules. Je Tout le monde est moins content. Enfin, moi, on a des doutes, mais. Oui, des gros doutes. Oui, aussi, moi, je aussi, gros, tu vois, je l'assume. Aussi gros que le ventre à main. J'ai cru que t'allais dire aussi gros que ma bite, je vais dire putain, bah c'est pas très gros alors. Putain, dans pas longtemps, on va attendre Manon partir comme une curieuse, elle a volé une voiture, elle va arriver chez Benji, elle va l'enculer, c'est lui qui va être enceinte. Oh non, pas ta voiture volée, s'il te plaît. J'ai pas la grosse fibra, tu vois. Elle va te sortir un gros machin, mon gars, Benji, elle va faire haut. Ah, j'ai mes bottes, elle roule. Ah, la fois où j'ai mis, elle était toute fluide, la pauvre. Bah, ça me change. En vrai, je vais te dire la vérité. Oh. Ah ouais, comme une boulie. Oh là là. La vérité qui éclate. Ah, en fait, on m'a dit que t'étais là, j'ai fait. Ah, non, mais vas-y, je claque l'électricité pour aller entretenir. Et après, je tombe en panne. Et après, mes parents m'éclatent ma race. Parce que, au final, ouais, non, je viens pas parce que voilà. Aïe aïe aïe. Connaisse, c'est bon. On m'a dit, ah, t'es là, je fais. Ah, ok. Mais ouais, c'est moi. Oui, il y a la botte, elle se botte. Ah, cette salope. Je vois la boule passer sur la route à côté de moi. T'as un problème, le chef. Putain, obligé de mettre la super force. A mon avis, Thomas, quand il va être chauffeur routier, il va avoir sa roue, il va avoir sa roue doublée à 130. Ah bon, j'ai peut-être oublié les écrous. Bah, 130 en camion, ça va être compliqué, c'est limité à 90. C'est ce que j'étais en train de me dire. Alors, Mathias, tu as passé le code? Ouais, ouais, t'inquiète. Ah ouais, d'accord. C'est à Marseille, hein. Tu fais un tellement d'eau, tu as ton code. Hein, c'est... Oh, ça va, tu sors un calibre, comment il te le donne? C'est vrai. Ouais. J'avoue que tu l'achètes pas, toi, en vrai. Franchement, tu sais que moi. Bah, tu sais qu'il y a même des calibres à Lyon. Bah, tu sais que j'étais pas loin. Mais non, c'est mon patron, il voulait m'acheter le code carrément. Il m'a dit, ouais, je te l'offre, vas-y, je te l'achète. Il dit, ça coûte 500 balles, bah, vas-y, je te le prends. J'ai en prison ou quoi? Ouais, c'est du sang de la voiture volée. Ouais, toi. Écoute. Ah, ça raconte des conneries. Hier, ils faisaient des faux papiers pour un mec qui venait du Bangladesh. Mais putain, mais je me suis muté, comment vous savez ça? Et ce matin, j'étais pas muté, hein. J'étais pas muté, mon gars. Ouais, mais si, je me suis muté, arrête tes conneries. Non, non, on entendait le mec parler hier, toi. Mais non. Ah, si. Et ce matin, il m'a dit aussi. Je non! Oui, non, des papiers pour l'emploi! Arrête tes conneries, je suis pas non plus un délinquant pour l'emploi, hein. Oui! Un délinquant toute ma vie! Non, juste 50% de ta vie! Non, non, 20. Donc c'est pour ça que Thomas il a réussi à rentrer en France, il a fait des faux papiers. Ouais, oui! Là, c'est comprends qu'ils vous parlent tous comme ça, en plus en live, se trouve du cul, on va faire plus en prison là! Non, vous allez plus du cul à venir en prison! Parce que ah bah, nous on a balance, vrai, donc on est pas complice. Je vois vous cacher depuis deux jours, j'ai peur qu'il y a un jour il y a un mec un peu comme ça sur moi. Trop de trucs qui a été dévoilé là. Bah écoute, là je suis en appel avec la gendarmerie, je suis en train de ouais. Moi si tu veux, j'ai ma tante qui travaille dans le gendarmerie. Oh ça va aller, merci. Mais c'est gentil de demander comme. Y'a Pierre Valentin. Bah oui. Oh non, s'il te plaît. Il va pas m'attaquer avec ses sélectionnés, il va attaquer avec son nez, c'est vraiment. Je vais faire un petit message à la fin. Attends, la botte. C'est ça. Mais non, elle retourne sur la route. Voilà, c'est bien comme ça. C'est trop l'autre fois, Valentin, qui me dit quand je viendrai chez toi. Quand je viendrai chez toi, je m'en bats les couilles sur l'autoroute, j'ai roulé à 180, puis je lui dis ouais, mais si tu vas arrêter, t'auras plus de permis. Oh, t'inquiète, mon père, il est flic. Il se prend trop de liberté, le mec. C'est quoi, moi je connais le grand keuf de chez nous, bref, je sais pas comment il s'appelle. Putain, merde. Mohamed. Il s'appelle ce con.
Ce con, alors déjà il doit pas s'appeler le con. Non, les Marseillais, le reste du monde. Ah, tu sais quoi, j'allais dire Gilbert, putain, je suis con. Non, Gilbert il peut pas le voir s'il s'appelle Gilbert. Ah putain, ouais, c'est en plus un truc avec Bert à la fin, je sais plus c'est quoi. Philibert. Hey, je me rappelle, il avait pété un mec de chez nous. Comment il s'appelle? T'es un mec. Oh putain, Oh, je sais plus. Bon, par contre, ce champ à faire en enrubanage, alors là, je vous dis pas. Non. En plus, tout à l'heure, il m'a dit, le mec d'hier, il m'a dit qu'il voulait que je fasse une facture. Non. Putain, je pars un comptable non plus. Je calcule la TVA. Ah, bah, on est en train de me. Non, tu as rien envoyé un message en plus. Ah, bah oui, c'est un coup. Allez, ça part. Nickel. Un balle, hyper cool. Putain, je suis con, j'ai mis dans le bouton. En plus, elle a vraiment envoyé. Elle a mis quoi là? S'ils volent des... Ils volent des voitures aussi. Il est mort là. Mais non, je vole pas des voitures, j'apprends à. Je fabrique des voitures qui volent, c'est tout. Pourquoi tu bégayes? Bah, parce qu'en fait, j'ai un cheveu sur le disque. Un cheveu sur le disque? Oui. D'accord. Mince, j'ai le presse, elle était pleine. Ah ouais, je vais faire gaffe. Ah, tu fais pas comme ça, t'as pas besoin de faire gaffe. Ah là là. Midi, c'est caché. C'est une nana. Okay. Elle a écrit le doigt dans le coup. Benji's bar, c'est qu'elle est efficace à sa porte. Oh là là. Et quand on entend pas gueuler Bruno, ouvre ta fenêtre, ça sent le fuck. C'est vraiment qu'il y a un problème là. Il va dire, Benjamin, ouvre ta fenêtre, y'a des flics. Je vais essayer ici au moins après. Tu peux commencer hein. Bon non, en vrai, là j'ai des plis, j'ai déjà fait une bande. Non, je vais attendre. Non, je vais attendre que tu dises ça. Ça là. Numéro 1. Bah attends, tu peux se mettre un petit peu. J'ai appelé la lambda. Oui, voilà. J'ai même appelé la BAC, les CRS. Tout le raid carrément. Oh, j'avoue la BAC en vrai ils sont chauds quoi. Oh, putain. Ils sont super sympas à toi. Nanar il dit pour ça quoi, je suis arrêté puis. Il m'oblige sur de la moto. Je suis déjà fait arrêter par la BAC hein. Avec mes potes. Hein. Même par la douane. Par contre la BAC je te jure, il fait même dans le cachon, ça t'a fait tout. Moi c'était Moi j'ai vu une fois par la BAC, c'était Moi c'était à côté de chez moi, on était avec mon patron, avec le boulot et tout. Genre on était à 5 dans la bagnole, la voiture elle était en train de se conduire, qu'elle était une voiture de lowrider, tellement qu'elle était belle. Généralement la BAC il sert juste la drogue ou le sinon. Salut Baptiste, oui. Salut Aurélie. Ceux qui croient qu'ils ont trop de pouvoir, c'est la police municipale, ils croient trop que c'est des cow-boys. Des cow-boys carrément. Je te jure, les mecs ils sont trop, ils se prennent pour des chauds alors que ils ont pouvoir. Sans la police nationale et, ou la gendarmerie, ils n'ont aucun pouvoir, les policiers municipales. Ouais. C'est le maire, il peut t'arrêter. Moi le maire, il m'a déjà arrêté chez vous, même toi. Ouais. Ah ouais, moi une fois, je me suis en boulot, je me suis brûlé avec le maire d'une ville là. Il m'a énervé. T'es un raciste. Et en plus, il croit que j'étais arabe, en plus, le con là. Mais il a raison.
Il dit ouais, nous en France c'est pas comme ça. C'est vrai, c'est le jour où ils font un défi à Paris là, comment ça s'appelle C'est en juillet. C'est ouais, bah, fermé en Irlande. Ce jour-là, c'est un enculé. Lui. Oui. Franchement. Ça sera beau gosse. En fait, Nishu, t'es pas censé être au boulot, toi? Mais non, il fait la traite à 6h, puis à midi. Wow. C'est à 18h. Quel travail! Quel travail! Moi, je fais pas la traite. Ah non, c'est pas toi qui disais que tu faisais la traite à 6h à midi. Bah si, je le fais à 6h30, puis à 18h. Bah oui, bah c'est pas à midi alors. C'est toi qui as dit à midi. Non, il y en a un sur le Lego Valentin, il avait sorti ça. Je sais plus qui. Moi je serais pas, moi. J'ai un câble de coup. Moi je suis chauffeur, moi c'est pour ça que je suis là, je suis en RPT. Merci. Voilà. Le son Benji, on n'est pas obligé d'entendre tes compatriotes. Hein. Est-ce que tu veux encore ouvrir un vocal? Ça va encore dire vas-y, je veux non. Tu veux pas aller passer de l'avion de chat? La prochaine fois, je ferai attention. Ça y est, à 14h, je fonce sur les tours jumelles. Elles sont déjà par terre quand même, t'es au courant? Oh bah, sur la tour crayon. Depuis le perdu. Septembre 2000. 2011, t'es fou toi, t'as fumé quoi? On attend un cours, hein! T'as fumé le temps d'enfilage des vaches, comment ça se pose toi? Bah. C'était pas en 2011, c'était en 2001. Mais même toi, Lennart, t'étais pas né. On peut se tromper, hein! Mais moi, j'étais dans le ventre de ma mère, moi déjà. Non, pas moi, ah, pas encore. Vu que moi, je suis né en janvier, j'étais censé naître en décembre. T'as quel âge, toi, Lennart? 19? 19? Mais dans pas longtemps, j'aurai 20. 2001? Je suis en 2002. J'ai envie de... Qu'est-ce qu'on a, moi, ce n'est? Je suis en 2002. Moi, je devais être né en fin décembre 2001, normalement. Ouais, il a attaqué l'orge. Ah, tu vois, quand les tours jumelles ont été attaquées, ben, mon cousin, il était en train de naître. J'ai même pas un an d'écart avec mon cousin. Mince, mais je m'appelle Manon, moi. Oh, j'arrête pas de laisser les girots tourner. Non, t'appelles Valentin, plutôt. Gros nez. Mais non, mais quand j'ai arrêté le tracteur, Valentin, il les arrête. Mais je les arrête pas, hein. Depuis hier soir, les gyrophares du Fen dans ma cour, ils tournent. Ah bon? La batterie, là, elle est morte, hein. Putain, mais on dirait quand tu parles Nilsou, on dirait un asiatique ou un arabe qui parle, t'as rien. Hein? Quel rapport? Mais ça, il y avait un. Hein, tu pour qui, hein? Hein? Allez hop, on va faire de la paille. Oula, on dirait un pédophile. C'est qui a dit ça? Oh, Nishu, là, je crois de voix. Ah non, c'est Manon, merde. Enculé. Oh, il s'est trompé avec Nishu et Manon. Non, mais elle est une bonne enfant. C'est pas la même voix. Ah, c'est pire que Nasulto, par contre. Ah, là, bien vu, Visio. Désolé, Manon. On rembourse le prêt. Faut se pardonner. Mais c'est vraiment long en fait. Oh, c'est pas respecté Benji, c'est fou. Ouais, mais c'est parce que t'es une fille aussi. Perds tes couilles. La différence et le chemin d'un. Par contre, non. Ça c'est. Non, mais c'est bon, Thomas, t'auras pas de copyright. Hein. Ça fait mal aux oreilles, non, mais ça fait mal aux oreilles, c'est pour une question de copyright là. Ah ouais, rends fou, j'ai une musique, par contre, j'attends tout le parcours de là. Avec les 6 iPhones. Hein? T'as pas vu le truc des 6 iPhones? Wow, mec, je parle pas à ce point non plus. D'accord, bon, Benji lui signe des bons de commande, lui il vole des iPhones.
des voitures aussi. Non, c'est pas moi. Dans Valentin, il va ouvrir un vocal. Alors, voilà, Benji, j'ai volé un avion de chasse en temps militaire en France. Tu peux me faire les papiers, s'il te plaît, il n'y a pas le carte grise. C'est pas loin de chez papy. Vas-y, je suis pas loin de chez toi, je suis à la station de service, je suis en train de faire le plein. Ah, je vais dire, bon, faut que tu cherches un Dacia Sandero vers la Beauce, là. Vers la Beauce, ouais, d'accord. En Eure-et-Loire. Le mec, j'ai vu il y a pas longtemps, il faisait, on l'a installé la fibre et tout, on a fait un repérage chez lui. Il est barbu. apparemment. Il court après, il habite au bout d'une rue. Il habite au milieu de la cuve. Il a fait un piège, il a mis du miel par terre. Donc si tu veux attirer, faut que tu prennes des pots de miel. Ah là là. Il a volé des rouges. Mais c'est Papy qui va être content dans FS22, il va pouvoir faire du miel, il va pouvoir faire ses productions. Ouais, personne n'a rigolé. Il va même pouvoir l'emmener avec lui. Ouais, je viens de moissonner un arbre. D'accord, moissonner un arbre, d'accord. Je te jure. Fumé, l'arbre. Il est dans une collision et j'ai foncé dedans. Du coup, il y a des copeaux de bois dans ta trémie. Ouais, ouais. On est pas en train. En train, ouais. T'as menu, ils ont besoin des papiers, il y en a un gars. Ah, je savais, c'est quoi, j'ai entendu sûr qu'il va dire ça. Il n'y a pas de carte de gris sur le train. Par contre, j'aimerais trop, pas que t'as l'entôle, mais j'aimerais trop que t'aies des problèmes à cause de ça, mon gars. Ah, c'est Bruno, il t'enfoigne, il est en mon gars, il est seul contre le mur. Ah. Et Bruno, il est dans le complot aussi. Franchement, non, mais j'avoue, il me joue très. En plus, franchement, tu sais qu'en vrai, parce que ça, c'est un mec du boulot, hein, le mec qui veut que je fasse ça. Hein. Et mec, tu sais que si c'est ça, là, tu sais que j'ai tout le travail. Hein. Ton beau-frère ? Oui, c'est le frère de mon beau-frère qui me demande ça. Hein. Ah ouais ? Bah oui. Oh, mais il est con jusqu'au bout, lui. Vous avez des soucis dans vos familles ou... Ah vas-y. Oh, en vrai là je dirais pas ça tout de suite mais je vous dirai après ce qui... Voilà mais... Il est gay non c'est pas pire. Il est de... merci au steak. C'est pas la personnalité mais vas-y. Patron je peux te dire que moi à côté de mes petits trucs il a fait 4 fois pire. Hein. Ça vous dirait rien mais voilà. Du vol à ma armée. Oh alors là mon gars loin de là, encore pire même pour te dire. Il a tué un militaire. Bon alors là mon pote est long aussi hein. Il a violé Manon. Ah ouais là alors. Oh Manon arrête. Non en vrai non ouais par contre moi j'ai vu aussi mais c'est un peu moins pire on va dire. Non. Il a essayé de kidnapper Manon mais elle l'a frappé, elle l'a foutu par terre. Oui, on l'a mis dans le camion mais elle est passée à travers la fait. Du coup la nacelle, on a mis la nacelle mais on a refait une nacelle parce que la nacelle était plus bon, je sais pas. Il verra, il arrivait pas sous lui. Du coup Il est des bâtards en vrai. Du coup j'ai kidnappé Thomas mais c'était encore pire. Bah oui, elle l'a rebondissé mon gars. Là on l'a mis en camion mais après il est passé à travers le sol et tout, ça fait un volcan. Tout de suite les grands mots. Thomas ça me plaît un autre, un lardon. Oui. C'est la mèche de porc. Du coup c'était un camion anti-arabe. D'accord. C'est con. Tu vois c'est le petit parfum qu'on met sur le rétroviseur, bah, ça c'est Thomas, tu vois, c'est une mèche de porc. Ça t'attache Thomas au bout du rétro et ça fait anti-arabe. Moi j'ai acheté un nouvel anti-vol. Il s'appelle Fleury Michon. En vrai, moi je sais que je mange plus de bon, hein. C'est dégueu, j'ai plus de bon. T'es viré de la team. Je sais. Mais que le 1er novembre, hein. Vrai, avant, tu peux pas. Comme je disais à Papy l'autre jour, c'est sans rue. Ah putain, la déco. Il m'a coupé la parole, l'enfoiré, ou je sais pas qui. Bah, regarde dans les logs, c'est plutôt, je pense que c'est un acte féminin, ça. Ah. Thomas, merde. Non. Oh, enculé!
Alors Bilal Hassani, ça va? Ah là là. Ah c'est nanar là, je sais pas ce qu'il a fait mais... Il a pas compris ce qu'il a fait là. Ça que j'ai l'impression d'être passé. Je sais pas. Mais déjà on a plus rien à faire après dans la ferme. Je sais pas, je regarde. Qu'on fasse ma bannière. Je sais que t'as pas envie. Non, genre... Tu aimes tous les champs et après tu fais ta bannière. Faut faire comme ça, Benji. Ouais, il a raison, il a raison. Ah ouais, attends, déjà je t'aide et tout, donc tu dois... Merde, j'ai pas bugué Nana, il arrive même plus à parler. Tu m'as dit à fond, t'en fais là pour que je fasse ta manière. T'es sérieux, tu me crois pas? Il a son micro, il s'allume, Nana, mais on l'entend plus. Je me crois pas. Pourquoi tu m'entends plus? Ah si, je t'entends. En vrai, je crois actuellement. Attends, je crois que. Il y a encore un champ à semer. Il est pas fini de semer encore? Oui, il reste encore un champ à semer. Mais les miens, si tu les achètes maintenant, ils sont semés. Hein? Le 225, il est semé? Ouais, mais ah non, il est en herbe. Ce que tu fais, tu le vends et tu le rachètes. Tu vois, il va se semer tout seul. Oh non. C'est bien, là il est en vert pétant le champ. Là. C'est mon oignon. Oh, ouais, faudra qu'on fasse le champ 80 maintenant. De quoi? J'aime des oignons. Non? Pourquoi? J'ai déjà mes pieds, c'est pas la peine. J'ai l'air pousse vampire déjà, bonne nuit. Oh, mais t'as été fini à la piste, toi. Toi, t'es Jules, mais en version claquée de chez Willy, je te vois. T'es Jules avec des feux. Faut se calmer, ouais. Didier, ce soir, Didier est mort. Didier Deschamps. Si tu parles de Didier Deschamps. Didier Deschamps, Didier Després. Ah non? Il sortira de rigoler. Rien. Ah non, Axel, parce que je vais te taper dedans là. Tu vas taper dans le fond? Oh, ça, j'ai tapé, mais ta gueule? Ah non, en vrai, je sais pas, mais il reste de te faire quelque chose en vrai. Non, non, franchement. C'est que des rêves, je crois. Bah attends, tu crois que c'est pourquoi qu'il a plaqué Marion? Pour en donner plus à Manon? Nuance, il se fait. Mais non, c'est un clopotisme, un complot. Un complotisme, ouais d'accord. C'est un complot en fait. Il a dit à Marion de la plaquer pour se faire passer par la victime en fait. Et du coup c'est Valentin qui prend le relais sans plus. Il avait des espoirs au début quand Manon est rentré dans la team pour faire Manon, mais Manon a jamais cru dans ses espoirs. En plus il y a des témoins qui s'appellent Max et Papy. Et moi. Ah ouais. Ah oui. Non. Si. Il était tout fin heureux. Il avait l'antenne dans l'air. Fin heureux, c'est lui qui a fait pour que Manon rentre dans la team. Parce qu'il paraît qu'il avait... Mais non, c'est parce que Manon au début elle lui a demandé de venir jouer avec avec elle sur PS4 je crois. Mais il avait la flemme d'allumer sa PS4. Et du coup après quand Manon a acheté un PC ben... Il voulait jouer avec elle. Ouais, Manon était pas d'accord avec lui. Donc il a voulu lui présenter Benji, mais c'est un loupé. C'est long. Ah, je vais chercher avec toi maintenant. Manon ? On l'a déçu, je crois. Elle parle pas. Tu vois plus Valentin du même œil maintenant ? Franchement, il est très clair celui-là. Imagine, t'aurais eu ça chez toi. Aïe aïe aïe. Il y a deux places frère. Il y a pas besoin de prendre 3 places parce que le nez il prend de la place. Ouais c'est vrai. Pour un 500 x 400 là. 500 x 400. En lit. C'est même plus un lit toi, c'est une maison. Ouais, une maison.
Une maison. Valentin est dans un hangar, hein, que tu crois. Mais y'a pas des ciseaux là-haut. Je m'achète une bagnole. Pourquoi je viens? Aussi. Non mais dans le jeu. Je suis en 180, t'as dit. Oui. Un peu de con, on va se calmer là. On va prendre la seigneurie de l'Espress. En vrai, Manon, elle était pas là pendant un moment, mais elle est revenue en forme plus que jamais. Ouais. Elle est venue là, elle est revenue, elle a bonne idée. Oh la connasse. Oh, il esquive. Aïe. Oh mec, j'ai foutu une esquive du seigneur. Oups. Ah, de dégoûter sa mère, alors regarde, elle a mis toi carrément. L'Espresso, il a des freins, mon chéri. De toute manière, fallait que j'aille tout droit. Hein? De toute manière, fallait aller tout droit. Non, tu peux pas c'est... Dire. Non, j'ai pas envie. Oui. Ah, c'est un silo. C'était la ferme que Nana il avait, ce. Oh oui, elle là. Ma belle love. Fais-moi l'amour ce soir. Il y a un silo, mais est-ce qu'il marche, c'est la question. C'est qui la femme orange déjà? C'est moi. Ah ouais. Rappelle si elle marchait, tes cellules à ta ferme, Nana? Elle marche, elle fonctionnait. On va faire demi-tour. Oh, faut que j'achète des poules d'abord. Donc on achète ça, c'est là. Sur les nourrir avec le peu d'orge qu'on a. Je viens juste de remarquer qu'elle a mis la ferme en rose. Je viens juste de capter, ouais, j'ai même pas. Il est loin à la détente, Benji. Hein, hein? Il est loin à la détente. Ah bah là, mec, je savais pas, franchement. Je sais pas depuis quand t'as fait ça, mais. Depuis que je suis allé sur le serveur. Eh hey, Benji! Quoi? J'ai une idée de ce qu'il a fait pour le test, mais j'aurais besoin de ton aide. Non, non, il peut pas. Il a déjà ma bannière à faire et après. Hein, parce que salut, moi, JM, quoi, tu vois. Toi, tu vas attendre, ok, parce que. Oh, Shifumi. Shifumi à distance par Wi-Fi. Si tu gagnes, Thomas. Bah. Tu veux pas la bannière à Manon, c'est ça? Oui, aussi. Oh, pas une idée, ouais. Mais là, il marchait pas ton stylo. Moi, je dirais les femmes d'abord. Oui, non, mais je vais lui faire. Oui. Je vais lui faire des. Et toi, moi ça va. Et toi, elle va kiffer. Mais non, mais non, mais t'as kiffé. Mais ton logo, tu l'as déjà, Manon. Ah oui. Mais t'inquiète, je vais faire une référence avec. Vas-y, tout le monde se régule, je te dis rien. Ça veut dire que le logo, il est moche, ça. C'est ça? C'est vrai? Ta gueule. Oh. Bon, dis donc, Manon. Je ferais pas de toi, Thomas, je suis pas sûr, mais. Non, jure. Non, y'en a pas deux comme toi. Heureusement, parce que moi je pèterai un câble. Ah oui, 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 je le mets. Bah, il a pas le droit de vache, mais je le mets pas. Bah. Comment te dire qu'il faut mettre. Ah non, y'a déjà de la chaux dedans, c'est magnifique ça. Mais c'est magnifique. Magnifique. Je sais même plus si je l'avais fini ce champ là. Oh, j'ai un gros doute là. On va mettre le silo là. Ah si, je l'avais fini par là. Il y a quelques trous où il manquait de la chaux, mais ça allait quoi. Hop. Papy disait, et le jour il dit ouais, moi j'ai mis des barrières et tout pour personne dans ma ferme, mais bon, si je veux, je peux rentrer dans 5 ans, je veux là, avec mon chouin. Mais si je fais ça, il me bute, mais alors d'une puissance. On va faire tourner, on va essayer de mettre ça dans un bon sens. Wesh! Ouais, Den. Apparemment. Pompé.
T'as cru que j'allais pas capter. Allez hop. Et j'en ai plein en plus, JM. Oh putain, y'a une auto qui arrive. J'investis dans beaucoup de... Voilà. Oh, il prend. Oh, il prend un champ papy. Ah, on a vu. Je prends screen. J'ai pris en screen, c'est bon. On va te balancer, mec. Mais, tu peux venir avec les GPS. Ah, il s'est barré, là. Ah non, c'est pas lui. Non, c'est une souche. Tu peux venir avec les GPS. Mec, j'ai fait un test. Dans ce endroit-là. Je vais balancer comme un bâtard. Arrive. Un derrière chaque véhicule, ah bah oui. C'est comment ils bombardent le 4x4, nana. La Vélo Land, ils ont gagné des sous grâce à moi. Il est parti, vous lui avez fait peur. Mais comment ça? Pourquoi je peux pas vider non sinon? Si. Bon. Je suis obligé de vider à côté alors. Ne vous inquiétez pas, ça tombe dedans, c'est juste... Bah il est bien le GPS, hein, non, il était déjà configuré. C'est juste... farming. Si. Ah regarde, j'ai juste à mettre et tout. Hein. Voilà. Merde. Non, il reste une tonne encore. Ah voilà, c'est bon. J'ai même pas... J'ai rien fait. Hein. Ah non, ouais, non, attends, faut que moi c'est... Côté, il est trop... Il va être trop à gauche. C'est le plus idée. C'est toi maintenant, tu vas me gêner là. Je pensais que t'as son sale. Oh là, moi c'est vite. Il y a même des silencieux ici. Bah bon Dieu. Regarde là qui arrive avec le pick-up là. Même la bagnole, je suis en Renault. Même la bagnole, regarde. Net. T'inquiète, regarde. 100% de classe, hein. Bah, les voitures, c'est encore plus de classe. Mais... Alors, je vais régler son problème, t'inquiète pas. Le mec qui est devant. Hein. Ouais, on va juste le tracteur là. Et ranger les bottes d'orubanage, faut qu'on achète un plateau. Quel tracteur on va donc prendre? Prendre le Témis. Mais je l'ai refait de ça. C'est bon maintenant. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour passer dans les petites routes? Fais d'abord le contour, après tu fais comme ça. Ah bah oui. Tiens, on va prendre du breton. Non, pas toi. J'aimerais ma France quand je te dis que tu veux un breton. L'autre jour, il a pris un ensemble breton. Genre, il dit ouais, je suis breton. Je peux dire. Ça fait mal à Bretagne, je te le dis. Moi. C'est compliqué de maintenant. Ouais. Non, c'est juste pour faire... Pour dire que Nico a raison. Il m'a obligé, il m'a donné des coups de fouet, alors... Je suis obligé de prendre du Renault. Oh. Tu me dis JM, si pour OTS vous voulez des skins, après vous pourrez plus jouer en simulation, ben c'est un truc à MP. Je l'en ai bouffé pour Pyro.
Bah oui. Et bon, là j'ai dit, dans la fin des phases 9, on va changer quoi. Oups. Ça marche comment ce plateau? Ah, c'est avec B. Au moins les potes elles sont regroupées, c'est bien. S'il y a une scène très drôle tout à l'heure, JM, c'est que j'étais en train de presser mon champ. Et il y a une botte. Elle était en train de passer sur la route à côté de moi. J'ai déjà fait 8 bottes, ça va. À 9, oui, il y a le plus 1, ça fait 9. Oh, elle passait là sur la route, puis j'étais à son pressé de champ. Les screens, les skins plutôt. Et c'est ce que j'ai fait à Pierrot. Après j'étais inspiré là à fond. J'avais à la friture. Vu que tu râles sans don et tout. Là y'a ton poteau qui va contacter. Du coup fallait pas que je te croie, je sais pas quoi. Luc Luc. Je lui dis explique-moi, il me dit en vocal, j'ai la flemme d'aller en vocal. L'Indien ? Ouais. Si je suis là, je suis de l'autre côté là. Ah mince, ça passe pas. Oups. J'ai un peu rayé le plateau, chef. T'es mort, Benji ? Non. Petit coucou, je ne fais que passer. Ah, salut Eric. Ok, bah bonne journée en Belgique. Par contre, pourquoi on ne peut pas faire le plein du Hilux? Mais si, il marche pas, on peut pas le remplir. Il déconne. Oh. Merci du vent, j'adore. Mais je t'ai dit. J'ai tout bugué. Je vais déconner. On va pas faire le plein. Non, je l'ai dit, on va pas faire le plein, il m'a déconné. Ouais, j'ai range le chargeur. Vous êtes amusé, Benji, de mettre à la ferme? Oui. Bah, toi, Manon. Bah, les deux ont rigolé en tout cas. Non, bah, ouais, tout à l'heure de m'exclure de la ferme. Oui, ouais, je le constate, oui. Les deux ont rigolé. On a beaucoup aimé, on va dire. Il serait à refaire, on dirait pas non. Allez, pour ranger le plateau là.
partout, mais les poules, il y en a partout. Bon, quelle heure est-il? On va peut-être acheter pour les animaux. On va acheter cette remorque. Cette remorque pour mettre derrière l'espresse pour les œufs, ça ira bien. Moi, les œufs, moi la remorque, j'utilise même quand il n'y a plus de poulet. Même quand j'ai pas de poulet, il y a Black Sheep. Ça le va bien. Oups, 24 avec l'espresse. Déconne, qu'est-ce qu'il fait, nanar? Ah, il déconne. Quoi? Il déconne, il doit bugger. Et je crois qu'il a même pas commencé encore ses semis, je crois, dans son ancien, je sais plus. Oui, non mais après le taux des œufs, c'est ça qui est pratique. Ça je l'aime bien. Oh après, tu veux mettre quoi là-dedans? Le spread du seigneur, net. Faire des chichis, hein? Alors là, je t'ai pas suivi, GM. Nyon. Non? De quoi? Il parle pas des chouros? Des chichis là. Je sais pas. Tu veux pas du maïs par hasard? Non. C'est la. Oups. C'est la remorque pour les autres Black Sheep. Je sais pas où je vais la mettre d'ailleurs, pour pas qu'elle gêne. Oh la reculer là. Quelle manœuvre, quelle manœuvre. Voilà. Ça c'est fait. Chichi c'est churros. Oh, il avait raison Benji. Une ouais, fois qu'il sait quelque chose. Tout ce qui est normal, je connais, moi je te le dis. Bon. La paille, on va pas l'attaquer maintenant. La paille, on pourrait la faire en boîte carrée. Oh, une petite presse sympa là. Mais il consomme pas trop, je peux voir. Hein. Il y a celle-là, mais... Tu sais ce que j'ai mis dans la générale privée, Nana? De quoi? Quel bâtard! Discord, j'arrête pas de bugger, parfait, cool. C'est bizarre, attends, ça bug beaucoup avec toi, moi, c'est pas en vrai. Ah, t'auras le droit de manger des churros, il a dit JM, quand j'aurai équipé la remorque. Qui ça? Bah toi. Il t'a trouvé. Oh, c'est jeter un camion. Non, en vrai... Sauf que, Benji, je ne dégradais pas, j'ai été garé. Oui, oui. Bah oui, mais lui, papy... tombé hein, tu roules un peu sur sa parcelle, il te défonce ta race. Même si tu le gardes dessus. Ah mais même si tu le gardes dessus, c'est comme si tu roulais dessus.
A plus, de toute façon, je vais pas tarder moi. Tu sais qui il est. Un CGM. Je crois que c'est un vrai. Ouais, une fois, il l'a fait payer, mais il était sur son champ. Ça teste la map. Mais non, c'était pour rigoler qu'il disait ça. Mais si, mais à un moment, il a fait chier, il a facturé quelqu'un, je sais plus pourquoi. C'est pas toi, Thomas? Non. Non. Ah bon. Peut-être que je me trompe en vrai. Moi, j'étais garé. En fait, j'étais pas dans la parcelle, j'étais dans l'accotement des deux parcelles. Oui, oui, non. Mais y'a pas d'accotement, je sais pas quoi alors. Il n'y a pas de press class, alors on va pas prendre le press class. Tu joues en live, Thomas? Oui. Si, Greg. On va prendre la maçon, on fait Ryusson. Merde. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter le regroupeur. C'est easy développement. Jordan, il va revenir cet après-midi? Ouais. Je crois. Ce soir, je crois qu'il reprend le boulot. C'est demain qu'il reprend le boulot. Ah, c'est demain soir. Je crois. Oui, c'est demain, c'est jeudi. Oui, moi je te confirme que oui, c'est demain soir. Elle demande combien la presse? Oh. 180 chevaux? Bah, bon Dieu. Je sais pas si ça va mieux quand je parle parce que. Ça faisait bugger mon Discord, la suppression des bruits automatiques, ça casse les couilles. Ah mais ça c'est nul, faut vraiment pas toucher à ça. Je l'ai enlevé puis... Moi je l'ai pas mis, je crois. Il est tout seul. Mais le 610, il va même pas l'emmener. Votre voix n'est plus détectée, ma fin, ça me déconnecte du Discord. Ah mais c'est pour ça que t'es peut-être tout bugué. Ouais, je crois que ça faisait bugger. Et des fois, je vous entendais bugger alors que j'étais en vert. Du coup, j'ai désactivé plein de trucs. Eldem il a fait une belle là. En vrai Nana, tu dirais c'est qui le plus gros du serveur pour l'instant? C'est toi je crois. Hein. Plus gros quoi? Parce que pour moi il y a des gros... Plus gros je parle en nombre d'hectares. Qui c'est qui parle du bourgeois? Ça va toi. Je vais te calculer ça maintenant. Je suis à 55 et quelques moi je crois. Je crois que t'as plus. C'est le plus gros hein. Je crois que c'est Papy qui l'aura plus. Il a beaucoup lui hein. Si, Papy, en vrai, t'as pas l'impression, mais tu sais qu'il a, pas mal quoi. Mais en vrai, il a pas beaucoup de gros champs, mais il a plein de champs, tu vois. Bah, il y en a quoi? 1, 2, 3, ah non, 4, 5, 6, non, c'est la ferme. Ça en est pas beaucoup. Il a 5 parcelles, elles sont pas très grandes. Je vais aller au moins pour la créer. S'il peut pas faire une addition de tête, Nala. Non, mais ça fait beaucoup là de tête quand même. Même moi, je fais ça à la calculette. Je vais calculer le taux de ma vie, même quand j'avais 3 ans. Bon, 16,99, on va être 17. Non, moi je fais précis. Ouais, et 99, quand même, personne n'écoute pour. Pour 0,1. Bah si. Déjà, ils disent 16,99, mais t'en fais toujours plus. C'est toujours moins. Ah mince, mais. Je suis bête. Oui. J'ai modifié l'arrêt, monsieur. J'ai pris une partie en massé, puis l'autre en New Holland. T'es fort? Oui. Très fort. Moi j'ai. J'ai appris de coups, mais je suis. Je sais la calculer. Ouais, je sais, mais j'ai appris de coups. J'arrive même pas à le faire. Je crois qu'il y a un point de modification de véhicule un peu plus loin, on va y aller. C'est à 58,62. Ah non, j'en ai oublié une. Non, ça se manœuvre pas ça. Attends. Tu as 62,13. Ça va nous proposer de modifier la presse, gagné. Attends. T'as combien toi, Mathias? Attends, je crois. Oh, je t'ai même pas ta 50. Je veux de l'argent. Mais non, c'était moi le plus gros à ce temps. Ouais. Ah oui. C'est qui est en rouge?
C'est Thomas. Ah non, c'est... non. Mais toi, t'en as bien plus que moi, Mathias. Ouais, mais t'en as des grandes, toi. Et t'en as... Non. 36,97. En vrai, c'est plus chiant, c'est que la 135 qui est à côté de chez moi, c'est toi qui l'as, alors. 58 hectares, 88. Voilà. 58. J'ai 58 hectares, 88. Ouais, moi j'ai 62,5. Ah mince, je le jetais. Et attends, j'ai 4 plus, lui, il y a pas de... Papy, il en a pas beaucoup, en vrai. S'il atteint les 20 hectares, c'est le maximum, je pense. En gros, tu fais des trompes, toi. Ouais, en vrai, ils comprennent pas les champs, franchement. Non, mais j'ai regardé au nombre d'hectares, là. Mais ça fait pas beaucoup. Vas-y. Bah moi j'ai test le mur là, tu vois, il est en collision. Et puis le buisson est en collision, ce bâtard. Ça c'est un concept, ça. Le mur en no collision pour leur... pour que le buisson il le soit. Ah, je l'ai fait. Ok, je viens de faire une locomotive. Non, j'ai détruit ma machine. Non, c'est juste qu'il est passé là-bas, mais pourquoi? Valentin, lui, il doit avoir un peu plus que papy, donc il va pas être bien plus loin. Non, moi, tu sais, j'ai combien d'hectares? Putain, je l'avais pas. Combien d'hectares? Toi, t'es le plus gros. Derrière, il doit y avoir moi. Et après, je dirais. 44. Là, ce qui fait grosso merdo, là ça fait 7, 6 et 6, 12, on va dire 13, 13, on va dire, allez 15, 19, Valentin il doit avoir grosso merdo un peu plus de 19 hectares. Ah non, j'ai pas compté celle-là. 19, là ça fait 24 avec ça, je peux faire. Non, 25 on va dire. D'accord. Parce que j'ai pas compté là. Ouais, 25 il a balle, je crois pas. En vrai, mais j'ai pas fait très gros, parce que déjà la 111, ça va être ma ferme, ça va être la parfois. Ouais, la 100, mais je pense que c'est celle-là qui fait tout un peu. Et après, j'entends. Mais genre. Non, mais moi, la petite parcelle que j'ai, elle fait. Je sais s'il est en PLS. La 132, la plus petite. De quoi la mienne? La plus petite. Ouais. Il faut 3 hectares en aussi. Bah ça, bah oui, ça va, j'ai calculé tout à l'heure. Je joue beaucoup, ça sert de le dire. Oh, tu cotes tôt. Ouais, mais moi je pense que c'est bien, genre. Non, mais je parle. Il y a un mec, Farmer New Holland, il doit être buté. C'est pour ça qu'il s'appelle Farmer New Holland. Parce que il met un pouce rouge en plus. Oui, d'accord, ça ne sert à quoi. Ah bah oui, j'avoue, ça va, frérot. Je veux dire, le mec est là, il croit mettre la haine, tu sais. Retourne te coucher. Coucou, ça va et toi, Enzo? Non, j'avoue, allez, je vais faire pareil. Hop, salut. Ça va encourager Thomas à faire du travail. À continuer dans sa progression. Youtubeur. Bientôt, on va l'appeler Thomas. Thomas, merci pour toi. Je crois qu'il aura bientôt 50 ans. En vrai, ça fait bien 2 semaines que j'ai pas stream. Attends. La parcelle 150. Merci. Prochain achat. Hein. Non, d'abord ça sera pas trop. Il y a un moment, il va peut-être falloir que ta bombe la doublée. Parce que là, nous, ce soir, ça accélère tout le temps. Alors... Ah, pour faire pousser les cultures. Là, tout le monde a fini. Ah merde. À ta place, j'aurais attendu d'acheter la parcelle 14. À moins que tu la revendes pour la racheter et que ça reprenne la culture. Après. Je sais pas en vrai. Ça dépend même de tout le monde, mais... Moi j'aurais pas acheté la parcelle même.
Il y a le chasse, il est un peu en PLS là. En même temps, ça demande 180 chou, alors je pense qu'il va falloir que je le booste. Bon, en fait, non, c'est bon, je change de carte unique. Des chômeurs 12 mètres 2. Lequel? Semoir 12 mètres. Orch. Ouais, ça peut devenir avec mon smart lunette. Hein. Oui, je sais, en remorque. Et ton smart combien? 6 mètres. Range ton bordel là, ton micro machin. Mon micro machin, moi j'avance à. Mais je te vends mon smart à 8 mètres si tu veux. Comment ça, non, je le vends même pas, tu viens le chercher dans ma ferme. Tu te sers. T'as une ferme? Ouais, mais on peut pas. Il en avait une, ouais. Mais il vient plus. Et quelle couleur? En plus, ferme en nuit au long, il y a rejoint le Discord. C'est qui? Il est peut-être couleur, c'est bon? Vert. Vert. Alors, ils ont des couleurs. Ah, ils sont marrants. Mais c'est toi le vert? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est lui le vert. C'est bon, les potentiels de tes portables. T'as pas des potentiels de merde, sale bâtard. Ah si, une potentielle de merde. Putain, il y a des parcelles là, 215 là, elle m'intéresse très bien. Elle intéresse déjà Benji, je crois. Mais non, mais vas-y, tu veux me la revendre? Je vois, tu te démerdes, tu vas dans ma ferme. T'as épelé pas la mort? Quoi? Oh, t'es les prélèvements le matin. Oh, mais il est trop gentil. Mais non, c'est Bobby qui les avait fait. Tu t'appelles comment de ouvrir la volaille? Bah oui. Ah, c'est vrai que t'avais la massette, t'avais un col. T'avais une clé. Putain, t'avais une bonne masse de PD, mon gars. J'ai ça? Par contre, t'as posé ton poulailler comme de la merde. De quoi? Ah, t'as posé ton poulailler comme de la merde. Oh, mais j'avais pas trop le choix pour avoir de la place à circuler. Je descends, je vais manger sur le canapé et genre quand il a ronflé, il faisait. Ah, je pensais qu'il allait dire qu'il faisait roux. Piou. Benji? Ouais. Tu sais que tu vas avoir les morts? Hmm. Attends, t'intéresserais pas la parcelle 215? De quoi? Sauf que c'est 225, mais oui. Oui, non, 200. Après, genre moi j'en ai que deux parcelles à semer. J'ai la grosse là, et la 135. Les autres elles sont en semer. Enfin, y en a une, elle est en patate, j'aurais bien voulu la c'est changer. Mais tu sais que Benji, comme moi, il est carte blanche, tu peux aller dans ta ferme vendre et puis rater le parcelle. Bah, je sais, il m'a dit tout à l'heure. Je sais pas que j'ai dépouillé tous ces grains alors. Il est venu chercher mon blé pour ses poules. Non, parce qu'elles en avaient marre de bouffer du. Bouffer des cailloux. T'as pas de chaud, rien, toi, j'aime pas de bouffer. Non, j'ai rien. Bah ouais, moi je vais prendre la parfaite tête 25. Dépêche-toi, parce que Lanard il est en train de l'acheter. Là. À 7 km/h, toi de place, il a du mal. Hein. Faut aller vendre ça, ouais. Elle vend tous ces champs, nana. T'es pas dedans? J'ai eu trop de rendement dans ma paille, moi c'est abusé. Vous êtes en train de vendre ou acheter je sais pas quoi? Ouais, je vends ces champs là. Je lag donc c'est plus des lags là, c'est des frises. Avec quoi comme chien? Ah oui. Avec 97% de la presse. Là on va laisser la partie qui est derrière. On va aller remplir la presse. Avec 97%. Je devrais trouver 3%. Hein. Oh. En 18. Du blé. Oh, il y a du blé en plus. Attends, mais il a semé le blé ou. Oh, j'ai semé. Ah, 160, ouais, 160. Il me reste 360.
Voilà, merci, merci Thomas. Quoi? Bon, on va laisser ça comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser. Oh, toi, t'as pas loin de 50 maintenant, d'hectares. Bon, je... Mais arrête, j'avais des grosses parcelles, moi. C'est dommage qu'on peut pas, racheter les matériels des gens. Ça, c'est dommage. Ça va être dur de trouver. Ouais, bah, tant pis. J'y ferai dans le champ d'après. Je sais plus, je vais la mettre là, après ça va pailler. Il reste une place à la limite. Qui est du cover crop. En vrai, je pense que je vais faire la grosse parcelle là en priorité. Mais alors attends, parce que du coup, si les deux. Si le déchaud et le semoir, ils sont les deux, ils ont le même. Maintenant, il y en a qui fait 12 mètres. T'as pas regardé toi Mathias le nouveau rap de la bande organisée? Non. Eh Mathias, loi de la cale. D'ailleurs ils ont sorti une nouvelle vidéo, tu sais ce qu'on avait regardé l'autre jour ensemble. Tu sais quand s'était tapé des barres là, les. Comment qu'ils s'appellent qui ont fait une BD là? Le monde à l'envers. C'est une du 03, comment tu vois? Ou qu'on se la regarde ensemble. Je te jure, je l'ai plus de tête. Mais non, mais t'inquiète, on va regarder leur nouvelle vidéo, on va se taper des barres encore. C'est ça après mon live. Ouais, mais je me souviens qu'on s'était tapé des barres sur une vidéo, mais la vidéo en elle-même, je l'ai plus. Je m'en souviens plus. Moi, je sais plus parce qu'ils racontent tellement de conneries par vidéo. Je sais plus laquelle c'était. C'était Pascal Le Grand. Non, ça ne devait pas être Pascal Le Grand Frère. Je sais plus laquelle c'était. Oh putain, attends. Je crois que je sais qu'il y a pas un passage où genre c'était parce que le grand frère il se retourne, je sais pas quoi, il sort soi-disant vénère de la voiture et tout. Si c'était peut-être ça. Ouais voilà, vas-y, si. Ouais, c'est non oui, mais il y a des vidéos complètes de plein de trucs comme ça. Il y avait quoi, il y avait Super Nanny je crois aussi. Bon. Ouais, en fait, j'ai jamais eu une vidéo sérieuse, j'arrive pas à la revoir quand ils font une vidéo sérieuse là. T'as l'impression qu'ils blaguent toute leur vie en fait, tu vois. Avec 4 bottes de paille, on va pas aller loin. Là, le best-of de. Ils ont fait leur tournage là. Ouais. Ah, parce que le grand frère, je sais même pas, je comprenais pas quand ils blaguaient pas. Oula, j'ai lag. Qui est acheté sur le serveur là? Ah, t'es sur le serveur? Non, je suis sur le mien. Hein? Ah bah oui, je suis con. Le premier qui confirme, il prend une 4-4 là. Chargement direct à la ferme, tellement qu'il y a de rendement. C'est normal. C'est compris, j'ai compris que j'avais plus de batterie, mais de toute façon on va arrêter le live là. B, X, Y. Non, je plie la presse. Cocorico Modding, il a créé un truc. Il a fait un post où il a fait une nouvelle map. Il a fait 19. Non, il a fait 22. Terre du Sud. Bah, c'est que c'est pas du Nord alors. Hein? Bien, Thomas. T'as vu ça? À fond. T'es un génie, Thomas. Bon, demain après-midi. On se retrouvera sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Ma chaîne elle est dans l'onglet communauté pour du ETS avec Benji bien sûr. Bonjour avec Benji. Je suis pas là moi, on se connaît plus. Ah bon? T'es trop gros maintenant, je sais plus. Tu veux que j'appelle la flic pour qu'ils te connaissent? Non, c'est vrai, à demain. Et donc voilà. Nous on se retrouve à vendredi sur cette série. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Allez, à plus. Ciao.